intervention Stanley et Lucas. Donc, réaction nous dans le niveau patient qui s'allie. Réaction nous, c'est que nous dit que M. Stanley Lucas, parce qu'on est côté de l'information, il dit que parce que en tant que secrétaire général du Parti politique unité, son parti qui était rien que tout le monde connaît. Donc, par contre, j'ai l'information. Premier bagage que nous avons dit, c'est un démenti formel que mon labdino n'est pas ma minute, ou pas déjà mon top et premier ministre Ariel Henry. Il est même qui était ma minute, à un moment donné, nous avons dit depuis 2014 que Dr. Ariel Henry a laissé le parti depuis après qu'on, que le parti était représenté par TIA. Au niveau du gouvernement Martelly comme ministre, et quand on lui avait demandé de se retirer, lui-même, il était estimé que moment ça a que l'impact a sorti, depuis lors, ça a que lui séparé de parti politique unité. Et depuis 2014, depuis moment ça, nous, pas jamais, n'avons aucune relation politique de parti avec le docteur Ariel Henry. C'est l'unité que nous connaissons, c'est un camarade, mais c'est pas un membre actif du parti, n'est pas membre, je dis un non. Et par contre, à l'autre, on a parlé, bon, il n'y a pas jamais limité, mais quand on compte une société, il n'y a jamais été question. Donc, moi, je pense que c'est avec beaucoup de légèreté que Haïtien est capable de comprendre, il est détruit le monde, dit n'importe quoi, n'importe qui, n'importe qui, genre. Moi, je pense que genre de pratique, ça, il faut que finir dans le pays. Et nous réservons le droit au niveau de l'unité, que nous capables de faire le coup à la justice parce que nous ne pas qu'à dire n'importe qui bagaille n'importe qui gens. Et nous mettons quiconque un défi pour nous prouver que il y a un monde qui était à part de Dr. Ariel Henry que nous n'y a pas l'occupé jamais unité parti politique il était. Pas même John Joel Joseph, c'est ça ton espoir, c'est ça? Je veux rappeler, ok, moi-même, Marie-Louise Soud était candidat au Sénat, John Joel était candidat au Sénat. Et nous pas tout même parti politique. Il y aura Joe? Non, tout à l'heure. Non, c'est pas ma minité. Non, tout à l'heure. On dit que John Joel Joseph pas tout même parti avant? Non. Oui, non, mais qui dit espoir, c'est dignité. C'est sa plateforme l'espoir qui est pour l'ouer avec unité. On dit sa plateforme l'espoir qui est pour avec unité? Oui. Mais c'est même courant quand même. Espoir, c'est. Pardon? Non, est-ce que c'est pas même courant? Plateforme, non, mais... l'espoir, c'était René Préval. Unité, c'est même équipe-là quand même. Ah non. Moi, je pense que surtout quand on a parlé de l'aspect information, nous ne sommes pas capables de traiter la réunion des gens. Moi-même, en tant que secrétaire général de Parti politique, je ne sais pas si on a liste parti, moi. Jamais connais yo, yo pas jamais participé à aucune rencontre et depuis parti a formé, pas jamais ouais nous citer là yo comme membre. Officiellement yo pas membre parti unité. Officiellement yo pas jamais membre parti unité, yo pas membre parti unité. Moi jour seule exception moi c'est que dans mon appareil c'est docteur Ariel Henry. Donc y'a pas de supporters non plus. Ils n'ont jamais été question supporters. Non. Moi, je dis que moi-même, je ne pas connais pas comme membre unité, ni supporter, ni quoi que ce soit. Moi, je pense qu'on doit faire attention, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Parce que c'est vraiment c'est inadmissible comme dans le droit. Moi, quel que soit mon défi, je dis bien, on va parler de Dr. Ariel Henry, qui est membre, ils font des patients ensemble avec nous, jusqu'à ce qu'elle représente les patients au niveau gouvernement. Donc, moi, je dis depuis 2014, ils pensent ça avec nous. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas contre Dr. Ariel Henry. Nous ne sommes pas contre ça. Mais pour l'autre, on n'y a pas les autres. Il n'a jamais été question que nous ne sommes pas jamais en unité. Et moi-même, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas comme en unité. Je ne connais pas. Et ça, c'est important. Parce que ce n'est pas seulement Stanley Lucas, mais Garibaldo a dit que, tout profiter de ces constantes, Garibaldo a écrit, dit que, excusez-moi, député Garibaldo, ancien député, a écrit, a dit que, unité dans le gouvernement, Dr. Ariel Henry. Moi, pour porter un démenti formel, il n'en est pas question. Donc, nous, dans le cadre de la direction politique et encore beaucoup plus large dans le cadre de longtemps, on avait rencontré le premier ministre Ariel Henry pour nous discuter avec elle autour du protocole d'entente. C'est tout ça que nous connaissons.
et que c'est public, il en est sorti que il était difficile tout ça, nous discuter avec elle sur un ensemble de questions que n'est pas satisfait le groupe, les signataires du protocole. Donc on a été obligé de retirer sous ses noix clés. C'est tout ce que je peux vous dire. Et en tout temps, on a continué à chercher consensus pour nous voir comment nous sommes capables de sortir de la crise multidimensionnelle que nous avons vécue aujourd'hui. Je dis à ces saliés. Mais ce qui est salié aujourd'hui, c'est comment sortir ce pays de ce bourbier dans lequel que nous-mêmes, Haïtiens, nous mettons, par ces populations, pas capables de supporter. Encore. Et nous croyons qu'en tant que responsables, c'est responsabilité de nous pour nous chercher consensus. Pour nous, ouais, comment nous capables arriver mettre sécurité dans le pays, à permettre que nous vivions, que nous vaquions à l'occupation et que nous gagnions des élections dans des très bonnes conditions, que tout le monde fasse campagne. Parce que nous-mêmes, objectif de nos partis politiques, c'est aller dans l'élection pour prendre pouvoir. Et nous-mêmes, c'est de là que nous voulons aller. Mais malheureusement, nous arrivons dans une situation que la Constitution est bébé. Donc, que les constitutions en bébé, nous n'avons pas l'autre choix. C'est consensus pour nous joindre. Il faut un accord politique. Et c'est sur ça notre travail, je dis, pour nous joindre un accord qui permette que le pays a sorti de ce bourbier, pour que permette la population à respirer, pour que nous puissions vaquer à l'occupation, pour que tout le monde continue à respirer, pour que nous puissions aller, pour que nous puissions capable de marcher, pour que nous puissions retourner la caillou, pour la justice qui fonctionnelle. Je dis, il n'y a pas aucune institution dans le pays qui a fonctionné. C'est dommage. Nous ne sommes pas capables. Mettez la situation ça. Ce travail nous tous, ce travail nous-mêmes acteurs politiques, ce travail société civile, ce travail vous autres au niveau de la presse qui a fait véhiculer l'information, faire voir nous arriver plus loin côté que le pas brisé. Je vous en remercie pour ça. Mais en nous tous d'accord, son travail d'ensemble, personne n'a arrivé pour continuer la question ça. Et c'est là que nous-mêmes, au niveau de la diaspora, de la direction politique de l'opposition, avec d'autres, nous continuons à parler, nous continuons à travailler pour trouver la meilleure solution capable de permettre aux populations de retrouver. Et bon moment, madame Claude, est-ce que l'unité, qu'on registre qui gagne non membre LIO depuis fondation jusqu'à jeudi? Depuis fondation jusqu'à jeudi, nous connaissons tout le monde l'unité, absolument. Nous connaissons. Si vous êtes sympathisant et que vous êtes dans la province, nous connaissons tous les sympathisants, mais pour moi, mieux, nous connaissons quand même. Nous connaissons tout le monde parti. Depuis parti a fondé jusqu'à jeudi. Vous comprenez? Donc, et mon yo qu'on fait amalgame et que il a parlé de plateforme l'espoir à ce niveau, ce qui est différent. Moi, la plateforme l'espoir, je connais la plateforme l'espoir. C'est parce que moi-même, moi, c'est membre fondateur Parti politique unité. Vous n'êtes pas membre l'espoir? Non. Oui, non, parce que vous êtes un parti politique, pas qui c'est parti politique et ancien défunt Sylvio Saint-Claude. Ouais, pas même l'espoir, je ne connais ça. Donc moi-même, je ne parle pas depuis le moment que le parti a créé. Moi, c'est un membre fondateur, moi, je suis secrétaire général parti. Je ne connais pas de monde ça, que nous avons parlé comme membre parti. Bien sûr, je ne sais pas. Et par exemple, je ne sais pas si je ne sais pas si le sénateur de la République est même d'abord. Est-ce que c'est pas René Préval qui t'a créé Unité? Non, René Préval n'avait pas créé le parti politique Unité. Président René Préval s'est créé en plateforme. Donc, en plateforme. Pas un parti politique. Le parti politique. Ah. Il tirait les plateformes Unité, oui, c'est samedi. Il est les plateformes Unité? Plateforme Unité. Ah, ok. Et nous virer le parti politique, un parti Unité. Nous, les partis politiques unités, nous créons. Mais c'est même Mambio, Madame Claude. Justement, c'est pas tout même Mambio, parce qu'il y a des gens qui. Il y a des gens qui sortent. Oui. Il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui rentrent. Ben voilà, c'est ça, me dit tout à l'heure. Non, non, non. Et nous, pas dire qu'il y a des gens qui rentrent. En parti politique, c'est comme un marché public. Les gens rentrent, les gens sortent. C'est comme quand vous montez dans un bus, les gens rentrent, les gens qui descendent. Donc, c'est normal. Il y a une activité comme ça à l'intérieur du parti. Mais les dirigeants, les dirigeants partis, nous connaissent. Qui monte, qui membre, qui monte, qui s'est militant parti, qui monte, assisté à rencontre, à réunion, je connais. Et je pense que le rôle, moi, en tant que secrétaire général, je veux dire, je suis capable de dire,
s'allier. Oui. En tout cas, seulement, nous connaissons, c'est l'espoir qui va éditer. Par contre, c'est l'espoir qui va éditer, mais moi-même, là, nous avons fait l'unité, pas de l'espoir. Ok. Après ça, je viens faire plateforme unité, tout de suite après l'élection, l'écrase est tombé. Et en plus, nous réunis, nous dit que nous avons des affinités entre nous, nous réunis, nous dit que nous avons fondé un parti politique qui s'appelle Unité, ce que nous avons fait. Et qui a eu une élection plusieurs fois. Donc, Unité, son parti politique, c'est sûr, il y a un monde là-dedans qui est dans la plateforme. Unité qui l'était, mais qui allait, qui a fait notre plateforme, qui a fait notre parti. Il y a plusieurs partis qui sont sortis. Donc, nous-mêmes, Unité, depuis Fondation, nous connaissons qui est-ce qui était là, qui est-ce qui était là. Et pas me faire sauter jour. Par exemple, il y a un monde qui était avec nous, qui était fondé parti ensemble avec nous. Il y a le docteur Ariel Henry. Mais qui quittait nos bras là-dessus. Et il y a d'autres monde qui quittait, il y a d'autres monde qui entrait. C'est la vie d'un parti politique. C'est normal. Voilà. Merci un peu, madame Claude. C'est à moi de vous remercier parce que nous voulons rappeler à tout le monde qui a fait circuler les questions spécifiquement dans les locaux qui sont à l'étranger, qui n'ont pas comme réalité pays. Avec Gary Bordeaux lui-même, ça c'est de la méchanceté qu'il est en train de faire. Nous comprenons que la police l'a fait. Moi, je dis stop. Je dis à Gary Bordeaux de stopper cette histoire. Et à son local, chute alors le bois va prendre. Mais fais attention pour ne pas dire n'importe quoi. Parce que là, il est en train de raconter n'importe quoi. Voilà. Je lui demande d'arrêter. Vérité, unité, espoir. Ok, d'accord. Merci un peu, madame Claude. Oui. Elle était prévoir avant même droit de réponse, non seulement à la secrétaire générale unité à madame Denise Claude de son accusation Stanley et Lucas Yo pour nous parler avec Stanley Lucas. Nous rejoignons finalement de Washington Stanley Lucas. Bonjour. Bonjour Jean Rinel, moi salue tu seul et Bob et tout auditeur avec Staff Radio. Donc chaque fois où intervenu avec nous là et toujours gain de réaction Stanley et là juste avant nous recevoir c'était madame Denise Claude qui t'a préagi sur accusation ou fait l'autre longé d'être sous parti unité dans mort président Jovenel Moïse et lui-même menacé pour traîner la justice. Est-ce que vous toujours kembé même déclaration t'est fait par rapport à Papa, en seconde, Stanley, avant de répondre à une question, bien, il y a un document qui est venu là, qui dit même fondateur Unité, bureau exécutif national, regroupement Unité, bon, ça c'est regroupement, qui était gagné là-dedans, Joseph Lambert, Jean-Joseph Molière, Laurent Bourget, Jean Gay, Paul Denis, Kelly Clédor Bastien, Lévarien Louis Jeune, Jacques-Édouard Galé, Michel Clérier, Joseph Jacques Jasmin, Carlo Joseph, Luc Fleurinor, Nicolas Janvier, René Montplaisir et Ramélis Bolivar. Donc, oui, c'est Monsayo qui est membre bureau national regroupement Unité. Bon, là, je vous dis, on a parlé des partis Unité. Hein? Et l'autre bureau, c'est Jean-Joseph Molière. Ok, et bon, qui c'est même non, bon, voilà. Et là, nous t'avons regardé, est-ce que nous t'avons besoin de quelque autre nom là-dedans, mais Unité, l'espoir, la vérité, c'est même famille politique. On arrive avec Stanley Pierre-Venel. Oui, Stanley. Encore une fois, bonjour, et ma rentre directement dans le sujet. Je n'ai pas l'habitude de manger et la bouillie sous côté. Ok? C'est président pays qui est touillé, pas rien dans la dent. Et bon, c'est la qui était politique Port-au-Prince. Cap faire raquette pour président par une justice. Peuple haïtien, même Jean Leté, quoi, l'esclave. Mais donc, supposons que nous capables de faire accusation à bord et à bord. Donc, regardez, supposez mon question, pas bonne chance pour répondre. Tout l'autre monde qui passe, il leur pose une question, il y a une chance pour répondre. Non, moi, comme si la question est au cours, il est sous lit, même si la question est posée, donc, je m'attends une réponse. Je m'en réponds. Eh bien, on a une réponse. Il y a des gens qui sont venus, ou qui ont répondu, et puis depuis que je commence à parler,
moi ou a mettre bâton dans ou pour m'bay di peuple la vérité parce que exercice que n'a fait Stanley nous pas dans ta contact là Stanley nous pas dans ta contact là nous pose aux questions ou a répondre sous pas qu'à répondre ou a dit non et puis pour nous capable finir donc pas mettre dans situation pour a dit que l'autre monde qui parler yo pas mais tout le monde qui passait là nous poser aux questions les pour nous poser aux questions ouais m'ga répondre Goulia on aller OK. Il y a deux enquêtes qui ont fait. Dans tout le pays du monde qui a un gros bagage passé, il y a une grosse enquête. Il y a une enquête institutionnelle là, que la police et la justice qui ont fait. Il y a une enquête populaire qui a fait. Ça n'a fait là, sans enquête populaire, pas qu'il y a un cassé fait couvrir ça pour assassin président Chapé. Moi-même, si il y a un ex à Bolotcho, il y a tout le monde qui a depuis 25 ans à Bolotcho. Qui est-ce qui touille président? OK. Il y a trois composantes qui touye président. Il y a une composante financière, son opération coûtait plus de 20 millions de dollars américains. Dans partie ça, faut pas oublier composante financière, composante complicité dans la police, composante politique. OK. Dans politique là, il est clair que c'est un sénateur unité John Joel Joseph qui loue machine à Badio Joseph qui touye président de la République là. Li clair jodi a au niveau c'est pour ça la police a cherché yo réunion fait kay madame Kok et la trier ça veut dire que en dans unité a bon ensemble d'éléments d'unité qui participer dans touye président son bail qui clair on ça Stanley c'est ça qu'faut dire nous pas poser question pour soit affirmatif comme ça pendant que c'est des monde yo accusé la police a cherché que la justice pour qu'on condamné est-ce que gain avis de recherche contre Dieu seul guerrier dans tout le président mais il était un présumé innocent Stanley c'est ça oui Mabdou là regardez est-ce que gain avis de recherche contre Jean Renel ou Bob C pour tout le président non quel que soit mon nom il était un présumé innocent voilà que vous même on dit monde qui tout le président m'a gain problème à ça mais moi rester croire que Mabdou ça encore dans composante politique là même criminel. C'est pas qu'il y a unité à tuer moun. Unité touye Robert Masselot pour 80 millions Petro-Caribé. Il a oublié du seul guerrier. Parce que pas qu'on est la justice condamnée pour 80 millions Petro-Caribé. Parce que nous sous dossier longtemps. C'est corruption que le président a combattu. Et c'est pour corruption que l'a combattu là que le président n'est pas touye. Ça est composante politique là. En entrée dans la composante financière. Et vous savez pas ici, on dit la bonne justice. Même l'élite esclave, vous pensez pas de casse dans l'esclavage là. Pour le président Jovenel Moïse, la bonne justice. Moi-même, ma bonne nom encore matin. OK? Matin. OK? Est-ce que vous connaissez que l'opération pour tout le président coûte plus que 20 millions de dollars américains? Pas de 6 millions dans le pays qui a fait. Et moi, je vais vous donner un exemple concret. Parce que qui est le président qui combat? Le président qui combat, on va capturer l'État. Ça veut dire que l'État n'est pas nommé guerrier, il n'est pas nommé Stanley, il n'est pas nommé peuple haïtien, il n'est pas nommé nous-mêmes dans la société. On va capturer l'État au niveau parlement. Dans le micro, nous, là, des radios consacrés sous 28 sénateurs, il y a 20 sénateurs qui sont nommés oligarques. Ce n'est pas pour le peuple qui travaille. Et des ractés sur la radio. Mais yo capturé l'État dans la justice. Expliquez-moi, guerrier. On est avec un sirop toxique les Faval, nèg boulos yo touye 212 petites peuples dans pays a, pas gen youn qui prend 50 ans prison. Et puis si malheureux en dedans pays a fait détention préventive dans prison 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais yo capturé l'État au niveau de la justice. Ave di ke nèg yo carré les juges pour bay prend juge prend des comme on nèg jounen jodi a je seul guerrier ou gen accusation sou ko touye président ou voler l'argent l'état pour un juge à le débloquer compte en banque ça veut tout capturer l'état contrôler la justice et moi bon exemple concret nèg la touye 212 timoun nan pays a avec un sirop toxique le sirop Vaval et puis boulos pa nan prison men. Monsieur, regardez où est nèg nou dans pays d'Haïti, si nous pas prendre responsabilité nous, pays ça pas j'aime pour nous c'est esclave qui n'a pas. Troisième composante qui touye président. Composante complicité dans la police.
C'est pour ça que je passe hier, moi, un paquet de droits humains pourris qui n'en met et oligarque volé Port-au-Prince, a essayé de faire diversion, il a besoin de retirer enquête dans la police. Ma distance avocat Boulos lié, c'est le président Mopod qui était depuis 4 ans et demi besoin d'éliminer le président. Et puis en même temps, la propose d'Oazi Menli, la fait une déclaration pour remettre la justice. Parce que nèg yo capturé la justice. Même j'en tout hier matin dans des GDO et qui était dans la commission falsification privée. Ouais, nèg yo capturé la justice dans coup des comptes. Comment on voulait deux juges qui participaient dans tout le président 7 février et 7 juillet, et puis coup des comptes avec Rogaville Boagene pour aller essayer de restaurer. Nèg yo capturé la justice qui n'a mis oligarque. Donc moi-même, l'aime vine là matin, je n'ai pas de problème à personne. C'est un président un pays au tout. Je n'ai pas besoin de connaître qui wash pour yo vivre. Toute nèg unité a une réponse pour yo bay. Toute nèg unité a une réponse pour yo bay. Premier ministre qui n'a unité a. Combien fois elle parle à Badio Joseph et John Joel Joseph de novembre, les complots a commencé à Jodia. Même quand j'ai une réponse à la question, ou même comme journaliste, ou t'es doué une réponse à la question, ça a tout. Numéro de téléphone John Joel Joseph, c'est 37017051. Son journaliste qui bamrel. M'a cherché numéro Badio Joseph. Et m'a joué combien si institution pays a, et c'est ça que belle aux États-Unis, c'est deux journalistes américains qui mettaient président Nixon à terre parce qu'il était dans mauvaise affaire. Donc, enquête journalistique là, qui enquête populaire, on m'a joué un innocent très bon. Mais, je dis, pendant ma parole avec vous là, résultat enquête la police montre clairement les unités ont participé dans tous les présidents. Mention là, et c'est des informations importantes pour enquête là. DCPJ a mené enquête pâle, paquet a mené enquête pâle. Si vous avez demandé pour entrer pour venir répondre à la question sur ce qu'on est sous circonstances dans mon président, vous parlez pour ça? Bon, regardez, depuis que les gens qui analysent politique ont fait enquête populaire ou posé question ça, son intimidation qui est liée, oui. Oligarque qui a fait intimidation ça, même jeune nègre, les aldés, premier objectif opération, c'était tout le président, tout le madame président. Les ou madame président vivant, il y a deux fois la justice poser la question et ils commencé à assassiner caractère. C'est son petit technique que tout le monde connaît que oligarque, on va qui pidu. Saint-Lé Lucas, vous souhaitez que le président joigne justice, Saint-Lé Lucas, et c'est ça, il y a avoir comme problème là. Je pose une question, vous coulez sous nous, même en dos. Il n'y a pas rien coulé, c'est même jour tout le monde fait analyser, vous avez l'information. Est-ce qu'il faut vous questionner pour ça? Absolument non. Okay. Comme bon bagaille. Je dis à nous, bon problème, mais. Oligarque capturé l'État dans la justice, dans le Parlement, dans le pouvoir exécutif, c'est pour ça que nous tous les présidents. Mais bah qui dit, faut nous reconnaître entre nous, nèg nous un pays d'Haïti, femme nous un pays d'Haïti. Ça nèg nous un que nèg yo servi pour qu'embe système là. Et ce système ça on nèg nous un que les Jovenel Moïse t'a crasé au niveau économique, social et politique. Mais c'est pas très haï bourgeois, mais c'était toujours dit. Jovenel Moïse dit, li besoin bourgeois vivre bien dans pays là, mais ou pas ka faire bagay yo, j'ai ou te faire avant, côté a voler dans l'électricité, dans produits pétroliers, dans construction route, dans manipulation système bancaire. N'a pas bail personne crédit. Nous même comme nèg noué et femme noué pays a, comment voulez-vous gon pays qui gagne 99% moun noir là-dedans, pas gagne bourgeois noir dans pays a. C'est ça Jovenel t'a changé système nan nèg yo craser pour ça. Donc faut nous suspendre que ti nèg noué, femme noué a craser nèg noué dans pays a. Son système qu'a craser, c'est pas nous même nèg noué et femme noué qui gagne contrôle système nan. Et c'est pour ça moi même, m'pa anti milat. Tout nèg comme ça. Mais conseil de milat frèm. Nèg yo prend contrôle pays a, yo capturer l'état nan men nou, yo capturer secteur privé a, y a servi a ti nèg noue pour craser. On est concou Patrick Consignac. Monsieur de le multimillionnaire ou même k'ap faire émission là, minimum pou te faire c'est 1.5. Nous chaque là qui sous panel là, nèg yo kembe nou comme esclave men. C'est système ça et c'est pour ça faut que journée peuple a dit nèg yo mettre virant rond. Peuple a dit Jovenel Moïse a besoin de justice. Donc moi-même l'aime vin la matin, nous que tout le président gagne trois composantes. Est-ce que Jean-Renel, Stanley et Dieu seul, Bob C, gagne plus de 20 millions de dollars américains qu'on ça pour monter opération? Qui est-ce qu'a l'on banque en Argentine qui était sous sanction pour voir les premiers tranches cop pour tout le président? Comme si nèg blaga ou tu es pas eux-mêmes? Et pas eux-mêmes qui voient les premiers tranches cop là. Comment fait que journal étranger a fait plus enquête que journal haïtien sous dossier qui concerne propre nous-mêmes, men? Journal Colombie,
journal américain, journal dominicain, a bay plus d'informations sur qui est-ce qui touye président la caillou que propre nous même dans le pays nous même qui analyse comme si nous paye oligarque pays a. Moi ma distinct Pierre Espérance avec Gédéon Jean a cassé fait couvrir ça pour oligarque pourri Port-au-Prince frère. Jodi a système nan krasé krasé net président Jovenel Moïse koke nan gorge nèg yo. Nèg yo besoin à laguer et dossier nan monseye de juge que yo contrôlé pour l'enterrer ça. M'a dit ça pas privé. Espérance Gédéon Jean. Justice c'est pas la police qui a condamné mon yo quand même et Stanley Lucas. Oui, c'est pas la police qui a fait jugement, c'est la justice. D'accord avec vous la guerrier. Mais la police gon Jean, l'elfin fait dossier à remettre li, nèg yo pa ka faire manipulation juge. Jean ou konn fait là nan si au Valodon. Côté au fin touye 212 petit peuple là on si toxique et puis par un nèg qui en prison nan n'importe qui pays du monde on nèg ou fin touye 212 boulot fin touye 212 petit peuple là à si toxique c'est 50 ans prison bien à vie pour dans prison oui ça montre que moi j'ai les exemples concrets que m'a ba encore matin OK les nèg là rentré dans coup des comptes gagne des dossiers qui là depuis 10 15 ans y a tonne et puis on semaine pas passé dossier vob gen tan paraît nan coup des comptes et puis nèg yo gen tan mete le devant c'est l'état haïtien qui c'est nèg yo ou gaville bois gené c'est resté avec nèg yo nan complicité nan tout ça que nèg y a fait ça me fait nan coup des comptes là toujours moi même faut nous dit bagay yo monsieur c'est pour avenir petit Dieu seul avenir petit mais... Stanley avenir petit Jean Renel avenir petit son mandat rien mon cher m'a dit un bagay OK ou pas ka gon dossier en dan coup des comptes des dossiers qui là pendant 10 ans 15 ans ou pas manger et puis pas vos blabla paraît qui gagne paraît devant c'est ça où les capturer l'état oui frère c'est ça où les capturer l'état oui expliquez-moi OK moi j'ai des on t'a défendre ça là expliquez-moi OK comment un juge participer 7 juillet et 7 février dans touye président et puis j'ai des on j'a vienne faire démarche pour Ogaville à réinstaller à travers coup des comptes qui pas même gagne autorité constitutionnelle pour ça c'est ça où les capturer l'état oui frère donc moi même un président mouri frère même les l'armée t'a fait coup d'état pendant 100 ans l'armée pas tant touyer président nèg yo touyon président de la république et ça n'a fait là matin c'est pour 59e président pays a pas mouri 60e président pas mouri moi même Marie Denise Claude c'est sem lié participer dans toute formation qu'il me fait là nous pas d'accord Marie Denise parce que là nèg yo touyer et c'est mon unité qui touyer et c'est unité qui te remet tout bourgeois voler bien l'état unité bayo minoterie d'Haïti que nous t'ai construit à l'agent peuple là, il n'était pas au varé, centrale électrique qui bâti sous Duvalier pour 79 et en 1979 pour 120 milliards de gouttes. Il n'était pas au système bancaire, il n'était pas au la douane. Il dit monsieur, il n'était aucune question pour y répondre. Comme si journée aujourd'hui est victime que nous voulait faire tourner accusé, il pas passé peuple là, j'ai peuple là calé. Donc moi même l'aime vienne là matin, m'a vienne pas aucune personne problème. Moi dit faut que président justice parce que son tas sous la police là. Ou même qui en de la police là, qui policier, qui inspecteur, qui commissaire, 99 police là propre, OK? Son petit groupe qui t'a le travail avec oligarque pour touye président. Comment on veut jouer à touye président? C'est cette police qui tente de caille président, alors c'est de gain 42. Faut nous jeune qui est-ce qui complice? Parce que oligarque yo capturé la police, on parti dans la police là. Oligarque yo capturé la douane, oligarque yo capturé frontière, oligarque yo capturé juge, yo capturé 20 sénateurs sur 28. L'état a pas nan men nous en tant que peuple. Et goumé Jovenel Moïse tap mené, c'est pour rebaille peuple à l'état. Donc son goumé pour guerrier, son goumé pour Jean Renel, son goumé pour Bobse, son goumé pour Stanley Lucas. Avant de venir, Pierre Renel, dis-nous non, est-ce que vous entendez déclaration ancien sénateur Jean-Gabriel Fortuné, ancien délégué, qui était dit que c'est parrain Jovenel Moïse qui touyait le. Vous entendez déclaration ça, il pas joignant, on pas chercher des informations pour connaître qui est-ce qui parrain Jovenel Moïse. Qui j'en fait pour ne pas attendre déclaration. Et Gabriel, son nèg qui me grand pile respect pour lui. Depuis l'elle fait rapport sur corruption en de parlement, qui montrait corruption série de parlementaires, on étudiant qui a fait recherche et thèse sur corruption, faut regarder rapport ça, que Gabriel Fortuné a Edmond Bozil de fait. OK? Son bon rapport qu'il dit. Donc moi-même, depuis l'elle, ça m'a suivi, monsieur, même si je ne suis pas d'accord à tout bagaille. Moi-même, pas aucun problème qui a regardé dans composante politique qui touille président, à part mon unité qui participe dans touille président, c'est yo cloué machine pour mercenaires à touille président. Mais ce qu'on est, parce que, bon, conseil de téléphone, moun, pour nous joindre aujourd'hui, pour nous comparer,
et moun ke yo rele Wendell Kok que la police a cherché, OK, Badjo Joseph, John Joel Joseph, faut nous garder Reginald Boulos, Jean-Marie Vob avec Dimitri Vob et croiser appel yo combien moun ke yo qui est-ce qui yo te rencontré et la trier même ouais joindre président concernant déclaration Gabriel Fortuné. Ou pas quoi intérêt pour approfondir on d'accord Gabriel Fortuné quel que soit côté à qui faut nous lever toute roche parce que tasse ça qui sous chemise nous toutes que nous touyer un président quel que soit côté nous passer dans monde là oh haïtien touyer président faut nous retirer tasse ça sous nous pour que 59e président pas mourir faut nous regarder est-ce que gagne l'autre composante si bon parrain qui participer dans touyer faut nous joindre ni même pas dans grien pas dans cacher faire courir ça quel que soit côté enquête la mener nous faut nous joindre qui monde qui touyer président Jovenel Moïse là bon pour nous toutes en même temps tout travail écraser système là faut le continuer travail écraser système là et c'est pour ça même Ariel Henry monsieur qui t'en font gros erreur là monsieur montrer qu'il voulait trahir président là là faire conseil des ministres dans article 7 en même temps tout même dit Ariel Henry directement c'est premier ministre pays aouyé. Les présidents te choisou, literele me mette sous téléphone avec, ou me toujours clair, même si on est honnête. Jodia, Ariel doit dire nous, entre novembre 2020, à après tout le président 7 juillet, est-ce que j'aime parler avec Badjo Joseph? Depuis parler à Badjo Joseph, il faut me démissionner. Quitte un ministre dans le gouvernement, vin premier ministre intérim. Moi-même, moi clair, si premier ministre là, pas parler à Ariel Henry, m'bag aucun problème. Si premier ministre Ariel Henry, pas parler à Badjo et John Joel Joseph ou bien Wendell Kok, m'bag un problème. Mais depuis le parler à une autre trois moun sa yo, m'sieur obligé de démissionner, quitte on ministre en gouvernement, vin premier ministre à I. Jodi a, moi-même, m'bag aucun problème à personne. Mon seul problème, on a tué, assassiné, massacré le 58e président de la République. C'est inacceptable. Et peuple a dit qu'on green bagay, faut nous joindre qui est qui touye président Jovenel Moïse. Pas aucun doazimen qui a vu faire raquette oligarchie pour pas joindre moun qui touye. Même clair matin, pas de problème à personne, yo touye un président. Et l'aime parler, ça gêne nèg yo. Nèg yo nan politique à bolocho, 5e colonne, kap vann moun et la trier. Même pas rester avec oligak, m'ap jen rester avec oligak. M'ap goumen sous dossier sa yo. Depuis 2007-2008, les négignités ont été touillées. Et Robert Marcelo, il y aurait l'air dans le palais pour aller faire une raquette pour 80 millions de pétro-caribé. Monsieur Padlé, vous tuez monsieur. Jusqu'à présent, petit théâtre de justice. C'est Robert Marcelo qui mène dans le président Jovenel Moïse. Oui, parce que vous avez des nègres dans la société qui restent avec oligarques, bourgeois volés. Et puis, nègres ne veulent pas que l'État saute dans les mains bourgeois volés. Pas gagné encore, non. Faut nous joindre qui est-ce qui touille président. Le cas, et si nous comprenons bien l'intervention là, c'est que vous estimez que M. Samuel Madistin pas trop bien placé hein, pour lui presser, demander pour voir le dossier à la justice, puisque lui c'est avocat de dans le monde qui a arrêté dans le cadre dossier assassinat président. Donc, ou même, vous souhaitez que la police judiciaire, DCPJ, continue à approfondir l'enquête là, prend temps et haut, avant de transférer le bail à la justice. Merci pour belle question, ça, guerrier. Il y a des lois fait interview, c'est normal qu'il y ait intention pour peuple qui a joué la vérité. Et Madistin, président fondation J'éclairé. Madistin, avocat Boulos. Madistin, avocat assassin qui touye président. Madistin, président Mopod qui te besoin touye président depuis 4 ans et demi. Alors, il dit que monsieur a 4 fonctions différentes qui sont incompatibles. Monsieur a 4 fonctions différentes qui sont incompatibles. Bon, répétez-le pour étudiant en droit, étudiant en criminologie et sciences politiques. Madistin, président fondation J'éclairé. Madistin, avocat Boulos. Madistin, avocat assassin. Madistin, président parti politique Mopod qui besoin touye président depuis 4 ans et demi. Depuis le premier mois président monté, nèg yo te di yo plutôt boule pays parce que Jovenel Moïse vin président. Bagay sa yo incompatible. Donc c'est pour ça, avocat, vous parlez de Mopod, salé dans Mopod. Monsieur candidat à la présidence Mopod gen l'oublié ça. Ah OK, non pas tant de bien sortir. OK. Et, donc moi-même, je dis à qui ça important pour pays à retourner à l'ordre démocratique. Premier bagay là, enquête là doit bail résultat trois composantes qui touye président. Composante financière, composante politique là, composante complicité dans force de sécurité. Deux, et rétablir sécurité dans la zone métropolitaine et ti côté Haute-Maye dans la Tibonite là. Respect y a gen sécurité là-dedans. Trois,
organisation du référendum et des élections présidentielles et législatives le 26 septembre. Moi-même, j'ai écrit 34 rapports sur l'élection dans le pays d'Haïti depuis 87. Les référendums constitution, c'est moi qui ai fait référendum, mais des constitutions, élections 90, 95, 96, 6 avril 97, 21 mai 2000 et la trier. Je dis, après, je m'a parlé avec vous là. Si vous voulez retourner pays à l'ordre démocratique, faut que référendum n'a fait 26 septembre. Son grand problème qui posait sécurité dans la zone métropolitaine. Donc, moi-même, quand je parle avec vous là, les autour président, vous touillez votre peuple là. OK? Donc, on est, vous voulez faire campagne pour retirer le décret président. Pour retirer cela dans mes peuples là. Vous voulez faire campagne sous procès Petro-Caribé. Même Jean-Marc Dorval te dit là. Si vous voulez faire campagne procès Petro-Caribé, à l'élection, 10 peuples à bon mandat, le 7 février 2022, le 59e président pays là, eh bien, vous pouvez l'appliquer sur tes 10 peuples là. Journée aujourd'hui, nous avons respecté ça le temps constitutionnel. Alors, dit que nous avons fait élection pour 51e législature prêté serment le 2e lundi de janvier, pour 59e président prêté serment le 7 février 2022. Tout négou est capable d'accolagement large. Monsieur Mabdi non bagay, politicien accolagement large qui paie bulletin de vote peuple là. Si vous avez accolagement large, nous besoin, c'est peuple là pour nous demander bulletin de vote. Si peuple là d'accord, l'a signé accolagement large. Tout négou qui v'là l'chita dans Hôtel Montana. Hôtel El Rancho, c'est bulletin de vote peuple là au besoin à éliminer. Donc je dis après on m'a parlé avec vous là, pas aucun problème pour nous retourner à l'ordre démocratique le 26 septembre. Son grand problème, sécurité dans la zone métropolitaine et côté Haut-Mar. Tout respect, il y a KIP a gain temps paré, KIP pas qu'à voler élection tout le monde comme ça parce que dans soirée élection, yo publié tout procès verbal yo, pas gain moi à changer. Donc tout n'est qu'à venir by Timaneve qui pas qu'à gain élection puis al chita dans hôtel société civile. On est gouvelé comme société civile prend pouvoir. Al fait accord largement large à peuple là mandé le voter pour. Mais matin m'a retourné pour me dire dernier mois avant me finir. Une série de oligarques pays d'Haïti qui capturer l'état. L'état a pas nommé peuple là, l'état a pas nommé classe moyenne là, l'état a pas nommé socio-professionnel pays là, l'état a pas nommé diaspora. D'après vous, pour qui ça les diaspora voyons trois conteneurs pour le font business et puis y a tout la douane. C'est oligarque là qui mettent mon dans la douane qui contrôle. Pour qui ça loi la justice ou gon ka clair devant et pour perdre c'est oligarque là qui ba juge dicté mais qui décision judiciaire pour prendre président Jovenel Moïse mouri parce que il t'a retiré l'état nan men oligarque. On est classe moyenne, on forme classe moyenne journée là on malheureux a goumen pour gon pays qui bon pour nous tout et pour petit tout et petit petit nous faut que nous retirer oligarque question gain justice pour malheur à classe moyenne qui dans détention préventive et puis bourgeois volé a calé koyo bourgeois qui touye mon a calé koyo dans pays a faut gon point final là-dedans. Justice pour tout le monde, justice pour président Jovenel Moïse et tout le monde qui mourit dans les circonstances que nous connaissons. Nous allons finir sous question ça, Stanley Lucas. Et à chaque fois, on a pour ce voir là, une question qui retournait, massacre Jarabel, massacre Jarabel. Par rapport que nous j'aime poser question ça, une fois pour toutes, qui rapport gagne avec massacre Jarabel qui fait que question ça a toujours retourné, Stanley Lucas? Très bien, très bien, très, très bien. Son bel bagage pour dire. Au contraire, paysan la montagne, et après des justices pour moun qui devine massacré. Donc ça veut dire qui ça joue aujourd'hui a moun qui massacre ou j'entends des paysans la montagne parler sur radio parce que pas j'aime massacre Jean Rabel ville Jean Rabel par côté massacre là t'est fait. Donc gagne des nèg qui fait des bagailles moi même paysan Jean Rabel yo qui moun la montagne fait ou vinn parler dans radio a aucun rapport son côté m'a jamais vivre dans ville donc nèg a monter donc moi même on clair sur question ça donc faut gagne justice pour yo. Donc moi-même pendant ma parole avec vous matin, l'aime de justice, justice pour mettre Dorval tout. Parce que là nous connaît Badio Joseph, t'a observé Kai président depuis 1 an et demi, 2 ans pour te faire plan pour massacrer président. Est-ce que c'est pas lui tout qui touye mettre Dorval? Est-ce que c'est pas lui tout qui touye mettre Dorval? Et puis parce que faut pas oublier, moi-même pour me répéter ça pour vous, qui est très important. Touye président gain 4 grands points essentiels pour nous développer. Premier point, c'est plan. Deuxième point, composante assassinat. Troisième point, c'est phase coup d'État. Quatrième point, implication internationale. Là. Dans le premier point, qui c'est plan pour te retirer ou tout le président, il y a trois éléments. Il y a un élément politique, là, qui c'est assassinat caractère président, déstabiliser avec l'or qui l'a trié. Deuxième point, attaquer légitimité constitutionnelle li, et pour justifier que vous allez tout
C'est là, nèg yo vini avec bay 2021. Nous connaît président prêté seulement 7 février 2017. C'est 5 ans gain mandat t'a vini 22. Mais au te fait pour justifier les ou pral touyer. Nèg yo te penser que les ou fin touyer président peuple t'a prend la rue au prend saisissement. Troisième et premier élément, c'est élimination physique là. Koulia nan composante qui touyer président, nan composante qui touyer président ou gain financier sécurité politique nouvelle déjà. Phase coup d'état. Première phase coup d'état était touyer président madame président. Les nèg yo fin touyer président, yo konnen yo touyer madame président. Les nèg yo vin tande, yo touyer madame président. Est-ce que c'est vrai? Les nèg yo vin tande que madame président vivant, yo tal d'elle non l'hôpital dans Pétionville. Est-ce que c'est vrai? Faut nous garder ça tout. Et prend pouvoir, c'est dans deuxième phase là que nous y là. Nèg a viré koyo par contre qui gens pour prendre pouvoir pour craser enquête là et bloquer élection. Troisième élément phase coup d'état, saboter enquête là. Bloquer élection et puis décret qui te permet peuple à jouer un petit reste là et éliminer. Qu'il y a implication internationale là. Colombie, non premier temps, yon consacré à et soldats pays pa yon, son pays prestigieux, pas qu'à l'entouille président. Après ça, président colombien vient changer, il dit effectivement, soldats yon te connaît que yon t'a pas touye président pays d'Haïti. Donc, faut garder jouet colombien là-dedans. Et la République dominicaine, avion que 26 mercenaires entré en dedans pays avec lui, c'est pour Gonzalo Castillo qui est lié. Donc, il faut que nous gardions le lien qui gagne. Comment faire intelligence dominicaine qui toujours joint toute bagaille? 26 mercenaires passés sous territoire pour aller touiller le président. Est-ce que vous avez un rapport intelligence bon nous pas servir avec lui? Il faut que nous gardions les dominicains. Les États-Unis, Negio, al dit c'est dit et clair faire opération négo sal américain américain parce que dit ça au devient on vient venir sur question sur question déposer sur massacre Jean Abel là c'est comme si me dando dit pas de massacre Jean Abel c'est pas ça dit moi dit que bon massacre qui fait ton côté créer la montagne pas de jambe gain massacre dans ville Jean Abel les massacres là t'est fait par aucun monde Jean Abel qui était présent qui côté lié la montagne là son côté qui probablement d'après ça on dit à 8h 10h de mars ou pas connait Jean Abel hein ou pas connait Jean Abel ben ça dit ou pas connait Jean Abel bien sûr mon connait Jean Abel qui j'en fait ah mon pas connait la montagne là c'est là m'était qu'on a passé l'aime des petits monde vacances 3 mois moi même pas j'aime vivre Jean Abel donc c'est la montagne là on pas connait pas connait la montagne là mais mon Jean Abel dou que pas de jambes gain massacre Jean Abel et pour qui ça yo associé non la montagne qui côté lié lui-même qui côté lié dans qui commune lié on aime pas jambes là dans vie mon cher non dans qui commune lié son côté qui a yo 17 8 10 heures c'est moun la montagne pour mander li facile pour Radio Caraïbe contacter moun la montagne pour yo bon non est-ce que c'est pas dans commune Jean Abel la montagne là yé choisi est-ce que c'est pas dans commune dans lié commune Jean Abel c'est pas là la montagne là yé. Oui, il fait partie de 7 communes qui fait partie 7 sections communales qui fait partie de communes là. Oui, ça m'a pour là moi-même les nèg yo tellement parlé de ça dans radio Bordeaux. C'est pas fait enquête et puis c'est dans enquête pas moi-même vinn jwenn résultat. Résultat numéro 1 et pas de massacre dans ville Jean Abel, pas aucun monde Jean Abel qui était là les massacres là t'est fait. Résultat numéro 2, massacre là fait ton côté qui relait la montagne qui entre 7h ou 10h de marche pas même bien route pour aller là. C'est le monde qui m'interviewe parce que nèg yo tellement t'a beau monter dans radio Port-au-Prince obligé à chercher vérité. Stanley Lucas c'est pareil. Moi même là y a dit c'est monde Jacques Mel, même fait la montagne Jacques Mel son section communale en dedans commune Jacques Mel là. Voilà. Mais ça me doit là, on doit vérifier à moun la montagne. Oui, pour qui ça la c'est dans la montagne là pas dans Jean Abel. Est-ce que bon journaliste sous carte d'identité me mettez Jacques Mel. OK. Moi-même, c'est pour ça m'dou. Est-ce que bon journaliste Radio Caraïbe qui j'aime monter côté massacre là, t'es fait créer la montagne à parler à moun. Et c'est pour ça moi-même, c'est pour moi-même justice pour tout le monde. Justice pour et M. Dorval. Et qui rapport, Stanley Lucas, pour nous finir, parce que nous connaissons Gian Pilbaï. Et qui rapport papa pour avec massacre là, parce que nous, papa, on a un dossier. Qui rapport papa pour avec ça? Ce qui est absolument faux. Ça son invention qui est lié, c'est fabrication qui est lié. Oh. Papa Mrele Jean-Claude Lika, il passe 45 ans à travailler dans l'agence américaine pour le développement international. Non, pas cité dans le dossier ça même. Absolument non. Et tout Stanley. Anacopopilis Port-au-Prince, mon frère. Anacopopilis Port-au-Prince, mon frère. Et pour ça, m'dou, où est dans le pays d'Haïti? Et pour qui ça y a associé non à ça même? Qui rapport famille Lika a gagné avec le dossier ça? Mais regardez, dans l'exercice qu'on fait matin, on est en well. On l'a dit, c'est papa, on l'a dit, c'est grand-papa, on l'a dit, c'est famille. C'est chaque semaine, on fait longtemps différent.
Et c'est fabrication ça que Anako Populiste a fait depuis longtemps. Nous même nous venons là, nous venons avec des informations vérifiées, vérifiables. Anako Populiste, il y a 30 ans, il a fait ça. Vous voyez, Anako Populiste pas jamais de justice. Anako Populiste tout doit d'où. Moi même c'est justice que je demande là. Nous, les gens qui tout les paysans, il faut mettre en mettre en bas code. Et moi même dans l'enquête que je fais, les gens qui tout les paysans sont blancs suisses qui ont été par là, item. Il fait même bagaille là dans l'autre pays sous la terre. Faut nous mettre en bas code. Donc, moi-même, après commencer pour me finir matin, hein, et avant de finir sous dossier, ça a un bail qui est très important, je ne vais pas oublier d'il, pendant que nous avons cherché justice pour le président Jovenel Moïse. Et dernière fois, ça arrive dans le pays, nous avons perdu 4 milliards de dollars américains. Gagné fièvre porcine en République Dominicaine. Si nous ne voulons pas que quelqu'un ait une catastrophe en milieu rural, nous devons, en tant que responsable d'État, ministre de l'Agriculture, pour prendre toute disposition pour fièvre porcine pas entrer dans le pays. Si l'entrée dans le pays, minimum c'est 2 milliards de dollars américains nous pourrons perdre, nous avons perdu tout cochon créole nous. Bien fièvre porcine Saint-Domingue. En retournant à l'assassinat président. Président Jovenel Moïse, qui ça le dit? Il dit que si on va prendre dans l'État pour prendre 317 millions de dollars américains par année, pour 4 courants dans Port-au-Prince pendant que tout reste pays arrêté dans fait noir, ça ou pas faire encore. OK? Président Jovenel dit monsieur Gazio, là nous t'ai touché 6 milliards de gouttes de gaz là nous t'ai conjoint un dollar. N'a volé dans gaz là trois côtés depuis 50 ans. Président Jovenel dit là nous t'ai relé, nous t'ai dit mais qui j'en t'ai conjoint fait. Président Jovenel Moïse dit oui, il t'ai conjoint fait comme ça, ça veut dire pendant 50 ans nous t'a volé dans gaz là, nous pas faire encore. Nèg yo t'ai conjoint volé à l'achat 240 millions de dollars américains par année. 2 milliards 400 millions. Yo te kon vole peuple là à la pompe. Au lieu nèg yo fait 11 centimes sous chaque gallon gasoline, nèg yo te kon fait 64 goud. Nan gaz la nèg yo te kon vole 400 millions de dollars américains par année. Président Coupel, nan électricité à il y a 900 millions, deux fois comme Petro-Caribéen, n'est pas jamais parler de ça. Président, non, et manipulation, dollar diaspora. Au lieu de faire 3 centimes sur chaque dollar diaspora qui a changé en goud, vous avez fait un 4 et 6 gouttes sous ces 5 diaspora. Président dit, monsieur, nous pas qu'à faire ça encore, dans manipulation système bancaire. Vous avez pour ça, vous avez président. Ça, vous avez un colonial, ça. Parce que vous avez un racisme systémique en dedans pays. Racisme systémique que nous vivons, son mélange de racisme colonial français et racisme arabe par rapport à mon noir sont en Afrique. C'est tous les deux mélangés qui sont racisme systémique haïtien. Et c'est pour ça que je dis, combat pour la Jovenel Moïse justice, n'est pas seulement un combat dans le système policier et judiciaire, c'est un combat idéologique tout. Et c'est pour ça que moi-même, je propose dans le combat idéologique ça, le noirisme démocratique. Pour remettre l'homme noir et la femme noire à sa place en Haïti. L'homme noir et la femme noire à sa place en Amérique latine et dans la Caraïbe. Même j'en gagne le socialisme, faut nous créer le noirisme démocratique. C'est ça Toussaint Louverture, Dessalines, Jovenel Moïse Teblé. Comment vous voulez en Amérique latine et dans la Caraïbe là, il y a 210 millions de noirs. 100 millions dans la misère. Il n'y a pas accès à l'éducation, à la santé, aux opportunités économiques. Raison qui fait que Fonds monétaire international, Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement, pas qu'à ban nous, ressources que nous besoin pour infrastructure qui base de développement économique, c'est racisme systémique. Et président Biden, il a parlé de racisme systémique, ça, il offre nous une opportunité pour nous joindre ça, nous besoin pour développement. Comment on voulait au niveau global, pendant 400 ans qui se passaient là, nèg noué et femme noué qui étaient dans l'esclavage, c'est eux qui bâti toute richesse monde là. Et puis eux qui étaient majorité noire dans le monde là, nous pareil l'autre race non, ils ont quitté majorité noire dans grand goût. Donc noirisme démocratique que m'a prêché matin, hein, c'est pour l'égalité des chances, c'est pour l'égalité économique. Et c'est pour ça journée aujourd'hui à combat que n'a mené, pas un combat pour justice, pour Neti, pour Montferrier d'Orval, pour Jovenel Moïse, mais son combat idéologique tout pour mettre l'homme à la femme noire. Malheureusement, mon série de politiciens qui trois restent avec oligarque Port-au-Prince, qui prend des goûts d'un homme, qui pas qu'à goûter pour peuple là et voilà. Ce système là. Jovenel Moïse, t'es un courage. Merci Stanley Lucas. Merci en pile Stanley Lucas. Nous t'es content de parler avec vous matin. Ah, moi j'aime toujours content de parler avec nous. Nous bien frappé matin. Mais là, Stanley Lucas qui était en direct avec nous.
Avant nous prendre deux trois monde qui avec nous dans studio en Pierre Renel, crise politique en Haïti, Fédération nationale magistrat a continué plaider en faveur d'un accord politique en tout secteur dans la vie nationale là pour y rejoindre une solution pour sortir pays dans impasse la traversée depuis quelque temps. Dirigeant Fenamio constaté un flou dans question après rentrée en fonction Premier ministre Ariel Henry côté yo remettait en question tout enquête cap mené sur assassinat ancien président paysan responsable Fenamio qui croit faut gagner bon Jean Lumière qui fait soit assassinat ancien chef l'État a plaidé pour un exécutif qui gagne là-dedans un président qui un premier ministre pour mener bac paysan jusqu'à ce que élection arrive faite avant longtemps en suivant un reportage avec Jean-Georges Blaise. C'est pas seulement crise politique là qui a attiré attention Fédération nationale magistrat yo. Circonstance la mort ancien président Jovenel Moïse là qui pas clair du tout, c'est on l'a tête chargée pour responsable Fenamio qui dit yo pas qu'à comprendre qui ça cap passé jusqu'à maintenant dans enquête cap mené sous assassinat des feuillants, yo dit cap marché traîné 22 jours après crime ça qui révolté yon bon secteur en dans coup de yo pays. C'est confusion totale, signe quoi magistrat des noix l'antenor. Et malgré tout, ouais par ouais faut que lumière fait sous dossier ça d'après président Fenamio qui dénonçait façon l'idée la police avec la justice à mener bac dossier. Denois l'antenor. Quelle que soit position, un homme politique ou une femme politique, ou te gagne par rapport à président Jovenel Moïse, nous faites pour exiger lumière, faites sous conditions, sous circonstances de l'assassinat du président. Il n'est pas possible. Le président Jovenel Moïse n'a pas assassiné, dans la condition de l'assassiné. Hein? Je veux dire, pour une bonne polarité qu'a fait, une bonne montée descente qu'a fait, donc international impliqué, instance nationale impliquée, dans le cadre d'enquête. 22 jours après, la population pour qu'on nous ait comme résultat de l'enquête sur l'assassinat président Jovenel Moïse. Donc nous dénoncer l'enquête de la justice, nous dénoncer confusion gagnée autour des circonstances et assassinat président Jovenel Moïse. Et si responsable Fenamio dit pas ouais clair dans l'enquête cap mené sur assassinat ancien président, façon équipe Ariel Henry rentrer en fonction, pas fait à la tête Fédération nationale magistrat au plaisir non plus. Qui Jean yo comprendre nouveau gouvernement président Fenamio a expliqué magistrat Denois l'antenor. Normalement mon premier ministre il pas entré dans sociologie politique non pour et pays gouverné par un premier ministre c'est toujours un gouvernement bicéphale. Aujourd'hui nous mon premier ministre là encore bon flou gain sécurité cap valetéré jusqu'à vous avez une situation de sécurité gain la vie chère donc bon pas de problème dans pays. Qui est le monde qui a une responsabilité pour agir sous problème ça? Donc, qui côté pouvoir Premier ministre? Côté le commencer, côté le fini. Là, je pense que urgent. Et ouais, pas ouais, faut gagner un accord politique entre différents acteurs pour sortir dans l'impasse là. Déclaration responsable Fenamio qui plus quoi, dans un exécutif de tête pour mener back pays. Mettez sous ça, faut collectivité à impliquer dans toute discussion yo, selon magistrat Denois l'antenor, qui là encore. Pas caché indignation face à Jean, Lydie y a traité secteur. Ça qu'a pris comme décision aujourd'hui, hein? Collectivité territoriale, pour gagner représentant sous table tout pour revendiquer intérêt collectivité territoriale. Comment n'est-ce pas au prince faire prendre décision, il a décidé sans que pas tenu compte des collectivités territoriales qui représentaient 90% population. Hein? Donc là, nous vraiment pas comprendre, nous-mêmes nous revendiquons place nous dans l'accord politique qui pour joindre avec une feuille de route clairement définie sous question sécurité, sous question élection que vous faites dans le pays. Donc en fait, collectivité territoriale là, comme acteur politique, comme pouvoir de proximité qui vraiment nous revendiquons place nous dans toute discussion qu'a fait pour qu'on sorte de crise, nous revendiquons place nous sur table. Et jusqu'à maintenant, rien pour qu'on clair sur le terrain politique là. 22 jours après assassinat chef l'État pays, même là, il y a un nouveau gouvernement qui rentre en fonction sans présence d'un président dans le palais national. Ça qui cause tout, un pile mâchoire gonflé, surtout dans la classe politique là, qui était largué dans une bataille manche longue contre ancien président république là. Alors que, c'est là qui dit, il y a dans l'opposition, il y a tâtonné jour que je dis, pour joindre une solution. Pour qui est-ce? À la traque à papa. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Merci un pile, Jean-Georges Blaise.
bloc avocat engagé a organisé un sit-in hier devant local ministère justice. Objectif mouvement ça, c'est pour exiger libération prisonnier politique yo, mettez dossier prisonnier politique yo tant qu'Arnel Belizer, Gary Philemon, Kilik, Abel Gros Nègre, Job ak Babas pour ne citer ça ou seulement. Avocat a dénoncé tout transfert ancien député Arnel Belizer qui sorti dans pénitencier national pour aller dans prison civile Kouadebouquea pendant yo pas caché qui étudio sous la ville qui menaçait Gerline Morestin. Rive nan Kafoutifou, matin 29 juillet, accès pour monter dans avenue Charles Sumner là, c'est totalement impossible. Yo machine, yon unité la police là, t'est bloqué accès à, puisque militants, avocats, famille ak zanmi prisonniers politiques yo, t'est occupé espace là. Ak pankat nan men, bandol, sans compte esprit pour écrit soumis local ministère justice là, protestataires yo pat manqué stratégie pour exiger libération prisonniers politiques yo. Yo dénoncé tout mauvaise foi certaine dans autorité judiciaire yo qui selon sa yo dit pas suspend faire manœuvre pour continuer kembe prisonnier politique yo derrière barreau ça yo qualifié comme une violation droit moun. Caleb Jean-Baptiste c'est coordonnateur bloc avocat engagé yo. Vin di que Claude Jantou d'appuyant que le fait sous dossier prisonnier politique yo c'est droit yo qui a volé. Parce que prisonniers policiers ont gagné près de 20 mois dans prison. Ils sont capables d'être en détention préventive pérenne. Pour dire ce qui s'est passé, ils ne peuvent pas paraître devant le juge correctement. Jean Otad Wefel. À chaque fois que l'on pose une audience qui parle, c'est toujours un tout ou un problème. Nous-mêmes, je dis à nous, non seulement mettre les pieds sur le béton, pour nous dire Rockefeller Vincent, pour nous dire Claude Jean. Donc, ça n'est assez. Donc, il faut libérer les prisonniers politiques. Dossier ancien député Arnel Belizer à Claude Messier, bloqué dans le coup d'appel Port-au-Prince, selon bloc avocat engagé, yo, qui coiffait mouvement ça. Pour justifier Saoudia, avocat yo prend exemple sous prétexte yo dit commissaire Claude Joseph Tepran pour camper dernière audience qui était doué faite dans le mois juin qui s'est passé. Yo profité dans sens ça pour demander ministre justice là râler les oreilles commissaire Claude Joseph pour forcer le mettre dossier prisonnier politique yo en état pour faciliter yo river passer devant juge naturel yo. Nous vient demander avec ministre justice là pour lui faire commissaire Claude Jean coup d'appel mettre dossier en état. C'est ça nous demander. Nous pas demander, nous pas demander faveur. Est-ce que un monde qui voulait présenter devant juge son abus, son mal, nous demander pour yo mettre dossier en état pour monsieur présenter devant juge. Laisse à commissaire gouvernement là vienne produire demande parle, nous même n'a vienne produire demande pas nous. Et puis juge a tranché. Juge a dit est-ce que monsieur mérite libéré ou pas. Nous pas demander un autre bagaille. Nous demander pour dossier à pour Claude Jean mettre en état pour dossier à plaider. Pour monsieur connaît soyo si a libéré a libéré si pas libéré pas libéré nous même comme avocat yo nous connaît a libéré parce que pas rien son dossier qui vide son dossier qui met monsieur en prison parce que opinion politique yo parmi famille prisonniers politiques yo qui était sous place premier petit garçon Abelson Gonegla Abel Gonègre lui même tout te répond présent pour demander libération papal petit jeune garçon 13 l'année ça fait connaît. Absence papale gen gros conséquences sur famille. Moi vinn la jodi a pou mande libération papa m'ak tout l'autre prisonnier politique yo parce que gen petit yo pou vinn occupé. Pa men pou bien pays a sa bataille pa m'ba nan volé. Fò libérer le yo pa kapal. Papa m'ki tout nou. Nou manje mais pa jan. Papa m'te konn a occupé nou et papa m'ki toujours relé dèr maman nou pou bien occupé nou et papa m'ki tout nou pou bien djou. Et papa m'ki tout famille net et papa m'ka bay tout sel l'argent. Même ki yo te révoqué l'élite konn a ouvert business chaque jour vendre si bien, si lo. Pa m'ba nan volé. Avocat yo nan occasion an profite dénoncer tout transfert ancien député Arnel Belizer qui saute nan pénitencier national pour prison civile Kouadebouquea pendant yo pas caché inquiétude yo pour la ville qui menaçait. Hier, te gon organisation internationale droit moun qui t'a l'vanel parce que nous connaît pas jamais recevoir manger pour lui. Le fait que pas recevoir manger pour lui nous te dénoncer ça. Gagne Victor Julien qui c'est directeur pendancier. Le fait que organisation droit moun nan à l'vanel organisation internationale hier te sirenel prison civile Kouadebouquea côté le connaît que nous même comme avocat parce que te gon bri que Anel Mouin était gon complot qui t'a fait pour te assassiner lui pour te tuer et nous devier quoi puisque nous devier quoi nous dénoncer parce que pas recevoir manger pour lui mais te sirenel Kouadebouquea peut-être pour plan yo gagne pour faire Kouadebouquea. D'après
d'après bloc avocat engagé yo, gen environ yon cinquantaine prisonniers politiques sous tout territoire national là. Yo mette accent surtout sous Arnel Belizère, Gary Philemon, Kilik, Abelson Gonègre, Job Akbabas, qui fait partie groupe prisonniers politiques, doit yo pas suspendre passé en bas pied. Parce que en pile nan yo, déjà gen plus passé 20 mois derrière barreau sans passer devant juge naturel yo. Guerline Morestin, Caraïbe FM. C'est un pile Guerline Morestin et toujours dans même dossier ça avec nous maître Arnel Rémy dans notre collectif avocat qui défend prisonniers politiques yo. Maintenant au dénoncé sorelé influence trafic d'influence qui a fait dans cadre dossier ça. Oui, bien sûr. Alors je salue le guerrier, salue Pierre Onel, je salue le avocat Kadoro, je salue Onel Mimi. Donc, moi, je profite de dénoncer l'influence autorité exécutive dans le cadre de ce dossier. Parce que guerrier, depuis le ABS Corpus, ABS Mugonek a commencé, donc, pas de jambes, mon grand commissaire qui est venu. Il dit, depuis ABS a passé, le parquet se fait vider de ses commissaires. Et jusqu'au moment où nous parlons, aucune décision ne peut être prise parce que personne ne veut assumer ses responsabilités dans le cadre du dossier d'Abelson Gounec. Et de tels comportements violent le droit d'accès à la justice, le droit de se faire présenter par devant son juge naturel. Et nous comprenons que le doyen a fait tout effort pour une décision, mais guerrier, il est difficile dans ce moment-là pour Abelson Gounec d'injustice parce qu'il y a trois décisions qui ont fait. Il y a des gens qui ont pris pression, il y a des gens qui m'ont dit, si vous venez dans le dossier, ça m'a pris beaucoup, donc ça vient empêcher mon issue, mon sortie pour le dossier avec son bonnet. Et on va permettre nous tout comprendre que nous-mêmes comme avocats, nous avons demandé l'autorité, nous avons demandé le ministériel Henri, qui est le premier ministre, pour dégager, permettre que le tribunal fonctionne. Faire ce signe, c'est bien, mais faire en sorte que le tribunal fonctionne pour permettre qu'il y ait six organisés. Et hier, nous étions au niveau de cabaret, nous étions assassinés, nous avons loué Jennifer Philippe. Et nous-mêmes, comme avocats, nous disons population publiquement, nous avons dégagé. Nous-mêmes, au niveau du cabinet avocat, mis en œuvre, nous avons dégagé pour que dans les heures qui viennent, dans les jours à venir, pour que bataille pour libération à Besson-Conegna, bataille pour libération de Jennifer Ijafi du plan, pour l'aboutir, parce que faut que nous soyons sortis dans condition de détention intra-humaine qui est là, faut que nous soyons sortis dans condition qui est là, parce que prison en Haïti, c'est l'enfer. D'accord. Et la fin de nous guerrier, on dit que assise, qui est presque 4 là par jambe organisée. Guerrier, il faut comprendre bien. Et actuellement, là, on suit la population carcérale. Nous voulons comprendre, le pays a compris qui s'est passé, le assise pas organisé. Ça veut dire que 2000 monde, 3000 monde, là, il y a 4 ans qui passent en jugé. Il y a un commissaire du gouvernement qui a un dossier en main. Mon enfant fait infraction, guerrier. Infraction à son peine de 3 ans. Il purge peine dans guerrier. C'est-à-dire, le fait que le tribunal pas fonctionné, il y a 2 ans là, depuis que j'en pas arrêté devant le tribunal. Et moi-même, on constate un commissaire gouvernement qui a marché dans le tribunal à la CAPSA pour juge pour tendre un dossier correctionnel. Mais là, ça n'a pas jamais abouti. Donc, premier ministre, prenez responsabilité, ni ministre justice, prenez responsabilité, pas le peuple à justice, parce que trois ont souffert de prison. D'accord. Merci un peu, maître Arnel Rémy. Ancien député circonscription Mirbalea Bel Décoline non Kadora qui opération tête ensemble continue à insister pour gagner un exécutif qui gagne à deux branches pour assurer gouvernance de l'État pas de période transition ancien parlementaire qui impliqué dans discussion yo en différents secteurs qui a dialogué pour joindre une solution inclusif dans crise là rappelé gain possibilité pour gagner une tête qui joigne sous modalité pour assurer gouvernance de l'État à partir fin semaine ça, Wenchel Adrien. Nécessité pour rétablir un exécutif avec deux têtes, un président et un premier ministre pour assurer gouvernance l'État pendant période transition en venue obligation pour rester dans la ligne institutionnelle. C'est en tout cas position Abel Décoline, membre coalition, ancien député qui n'a opposition avec membre opération tête ensemble.
ancien parlementaire a cité conflit autorité qui éclaté entre premier ministre de fait là et secrétaire général conseil ministre dans le cadre de réalisation premier conseil ministre gouvernement ça qui confirmé nécessité exécutif bicéphale là. Nous constater conflit de pouvoir qui déjà installé environ deux semaines après monsieur Ariel Henry fin prend fonction comme premier ministre. Conflit de pouvoir, guerre des chefs, si nous capables d'exprimer ainsi, côté yon secrétaire conseil des ministres, li carrément pas obtempéré à un ordre du jour qui était proposé dans le cadre d'un conseil des ministres. Donc tout ça montrait nécessaire pour que nous gagnions un exécutif bicéphale, dans la mesure où l'ingénierie institutionnelle là, li montrait que l'indispensable pour que gagnions exécutif bicéphale. Déjà, ensemble, parti politique ak membre dans société civile là qui engagé dans une discussion pour joindre un large consensus qui a facilité instauration exécutif ak deux têtes ça sous bonne voie pour aboutir à éventualité ça. Abel Décolline rappelé pour moment ça ces modalités yo cap mettre en place pour qu'on ait si décision cap gain pour prendre yo cap fait de façon institutionnelle. Tout le monde convaincu de exécutif bicéphale là, donc il nous reste bien entendu à trouver meilleur moyen pour que choix les fêtes soit en référence avec une institution l'État qui existait yo, notamment le Sénat de la République. C'est autour de ça que discussion la faite à date. Fin semaine ça t'assemblée ses limites groupe cap discuter yo bay tête yo pour joignon accord définitif relatif à gouvernance l'État. C'est en tout cas précision ancien parlementaire Mira Balea. Fin semaine ça week-end non li déterminant pour que la semaine prochaine gagne yon bagay qui dit un thème de solution exécutif bicéphale ça. Une fois ça fait il y a nécessité pour que gagne un accord global, un accord qui pour déterminer en feuille de route, et c'est à partir de feuille de route ça pour que gagne de problèmes qui adressé. Pendant groupe politique yo ak membre nan société civile la ap traîné pour joindre une entente inclusif pour gérer transition an, même statu quo PHTK toujours gain mes mesures sous autorité l'État. Winchel Adrien, Caraïbe FM. Encore politique dans le journal là, Winchel Adrien avec un jeune parti politique qui c'est Vision Intégrale pour la Reconstruction Haïtienne VIREA qui avec nous en studio à travers coordonnateur national qui c'est Sonnet Jean-Noël. Et bonjour, donc nous rencontrer la presse hier, nous fixer position par rapport à formation au gouvernement, crise qui gagne là, je